est une ancienne commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle fait partie du Parc Naturel Régional du Quérat, elle se trouve, aux portes de la réserve naturelle, de la haute vallée du Guil. Ses habitants sont appelés les Abriessois, ou les trippé ainsi surnommés, par les villages voisins. Située dans le Kera, au confluent des torrents du Guil et du Bouchet, à 30 km de Guillestre, Abriès est une station de ski alpin et de ski de fond. Abriès comptait de nombreux hameaux le Roux, Val préveille aujourd'hui abandonné, le Villard, les Bertins, le Tirail, le Cros, la Montette, Malriff, Pré Roubaud et Setera. Aujourd'hui, seul l'hameau du Roux reste habité en permanence. Avec 52 habitants, au 1er janvier 2013, en remontant la vallée du Guil, on trouve, avant d'arriver à Abriès, la commune d'Aiguille, puis au-delà, la commune de Ristola, d'où partent les sentiers menant au mont Viseau, qui culmine à 3841 mètres. Briès, se trouve, par ailleurs limitrophe, au nord-ouest, avec la commune de Servières, dans le Briançonnais, au nord, avec Susanna torines Val del et le Saos di Susanna, Val -Aripa, à l'est, avec Prali, Val Germanasca, et Bobbio Pellis, Val Pellis. Le nom de la localité, a été attesté sous les formes abri, vers 1110, Villa Abrarium, en 1311. Issu du latin ap, signifiant sanglier, il s'agit probablement d'un surnom d'homme, avec le suffixe arium, qui indique la propriété. L'histoire d'Abriès, du 16e siècle à la fin du XVIIIe siècle, est établie par une historienne, et anthropologue nord-américaine. Madame Marie Rosenberg, auteure d'une thèse intitulée A Negotiated World, la meilleure traduction de ce titre serait Un monde de compromis, publié par University of Toronto Press en 1988, et qui porte comme sous-titre Très of Change in French Alpine Community, c'est-à-dire, Trois siècles de changement, dans une communauté des Alpes françaises. On peut consulter aussi, à ce sujet, le dictionnaire historique, et culturel du Quera. En version numérisée, dans le blog Kera Culture. Abriès, comme le Kera, fut probablement un lieu de passage dans l'Antiquité, comme l'attesterait la présence de fibules, sur la commune de Ristola, à la Monta. Il semble qu'une population se soit établie de façon permanente à Abriès à compter du XIe siècle ou du XIIe siècle. Les cartulaires des XIIe siècle et XIIIe siècle, mentionnent les noms Abri, et Villa. La ferme ou le domaine, à Rome, Joseph Roman, fin XIXe siècle. Dans un autre de ses ouvrages, intitulé Tableau historique des Hautes-Alpes, en deux volumes, daté du 1887, et qui se trouve, dans le tome 2, un inventaire détaillé des archives du département, du VIe siècle, à la fin du XVe siècle, Joseph Roman établit que la plus ancienne mention du nom à Briès, en dehors des cartulaires, Date de 1259, c'est une charte de privilèges accordée par le dauphin Guigo citoyen d'Abriès. Les privilèges dont ces citoyens jouissent désormais, sont de deux ordres, ils sont placés sous la sauvegarde du dauphin, quand ils se rendent à Briançon et en reviennent, et tous les mercredis, a été créé un marché à Abriès. Avec exemption de toute redevance pour les habitants et obligation faite à tous les gens du Kera de s'y rendre, au moins un par maison et de ne rien vendre sans l'avoir offert à ce marché. De fait, Abriès entre dans l'histoire du Kera, et du Dauphiné, comme un lieu d'échange et de transaction, qui a été longtemps assez dynamique et a assuré la prospérité de cette communauté pendant plusieurs siècles, ce qui explique qu'il y ait encore dans cette petite commune, d'environ 350 habitants, de très nombreux commerces et que les habitants d'Abriès, quand ils ont quitté leur village, à partir de 1830, se soient spécialisés en Provence dans le commerce. Abriès, a été, comme tout le Kéra, le théâtre de conflits armés pendant plusieurs années, après 1562, au moment des guerres de religion. Ces conflits ont vu la victoire des armées protestantes, de sorte que le Kéra, et Abriès, ont été pendant près d'un siècle majoritairement protestants. Les érudits locaux estiment que les protestants représentaient entre 60 et 80 de la population de la commune. Le protestantisme commençant à refluer en 1660. C'est pourquoi la révocation de l'Édit de Nantes, en 1685, a été un drame pour beaucoup de habitants, certains revenant sincèrement au catholicisme, d'autres s'y convertissant de façade, d'autres enfin préférant quitter leur maison, franchir la frontière par le col des Tures, tout proche se réfugier en Suisse et en Allemagne. Ce drame est raconté par un historien allemand, Jeanne Bellon, descendant d'un protestant d'Abriès, dans dispersé à Touvent, Société d'études des Hautes-Alpes, Gap. En 1689, la Savoie et différents pays, qui s'allient dans la Ligue d'Augsbourg, déclarent la guerre à la France. Une armée française, commandée par Katina, cantonne alors dans le Kera, pour défendre les frontières, tandis que la Savoie arme les Vaudois. Alliés aux protestants, établis dans la vallée italienne du Pellice, de l'autre côté de la frontière. Des milices organisées font à plusieurs reprises, de 1690 à 1692, des incursions meurtrières dans le Kera et surtout dans le territoire de la commune d'Abriès, des hameaux isolés sont partiellement incendiés, des fermes sont pillées, du bétail est volé, des habitants sont tués. Ces drames expliquent peut-être que, si des protestants se sont courageusement maintenus à Arvieux, Moline et Saint-Véran, villages éloignés des frontières avec les vallées vaudoises, dans les villages de la vallée du Guil, Ristola, Abriès, Aiguille, château ils se soient presque et tout ralliés à la religion du roi de France. Pendant plus d'un siècle et demi, Abriès a été une paroisse catholique dynamique, influencée par le catholicisme de la Contre-Réforme et du Concile de Trente. 1545-1563, est qui a fourni à l'Église de France, surtout pendant le XIXe siècle, un très grand nombre de prêtres et de religieuses, comme l'établit le curé Jacques Gondret dans ses mémoires historiques du Quéra. La commune d'Abriès a beaucoup souffert des guerres, indirectement ou directement. Entre 1914 et 1918, de nombreux habitants, versés dans les régiments de chasseurs alpins et donc partant souvent à l'assaut des lignes allemandes, sont morts sur le front. Le Kera a perdu alors près de 5% de sa population. La liste des noms de soldats d'Abriès, morts pour la France alors, est très longue elle peut être consultée sur le monument aux morts qui se trouve devant le cimetière et près de l'église. En juin 1940, au moment où l'Italie a déclaré la guerre à la France, les habitants ont été déplacés vers l'Ardèche. De très violents combats ont éclaté. Les troupes françaises ont pu repousser les envahisseurs italiens qui n'ont pas pu s'emparer du village, mais qui ont occupé les hameaux du Roux et de Valpreveyre, ainsi que la commune voisine de Ristola. En août et septembre 1944, les Allemands, chargés de défendre les frontières de l'Italie du Nord et qui, pour cela, avaient installé une batterie de tir au col de la Maite, ont bombardé, et détruit les trois quarts du hameau de Prarubo, la moitié du village du Roux. La droite d'Abriès dont le fameux grand hôtel, a été incendié alors. Au cours de l'hiver 1944-45, ceux qui avaient tout perdu dans ces bombardements ont été contraints à un nouvel exode. La commune a été décorée, le 22 mai 1950, de la croix de guerre 1939-1945. Comme les autres Cairassins, les habitants d'Abriès ont quasiment tous reçus, et cela dès le milieu du XVe siècle, une instruction élémentaire. Des régents de villages rémunérés par les communautés et les familles leur ont appris à lire, à écrire et à compter, savoir très utile dans les transactions commerciales. L'instruction se faisait à la mauvaise saison, de novembre à avril, dans une étable. Madame Rosenberg et d'autres historiens estiment qu'au XVIIIe siècle, plus de 90% des habitants de la commune, hommes et femmes, étaient en mesure de signer de leur nom les actes notariés. A Briès, comme beaucoup de villages du a construits sur le cône de déjection d'un torrent, ainsi Ristola, Aiguille, Villevieille, a été détruit en partie ou menacé par les crues du boucher. La plus grave ceste produite en 1728, le 20 mai, jour de la Saint-Bernardin. Les archives en font état et les érudits locaux, dont Jean Tivolier, Le Kera, 2 volumes, Gap, 1939, qui ont lu ces archives, en décrivent les effets catastrophiques. C'est à la suite de cette crue, et pour éviter que le torrent en crue ne détruise à nouveau des maisons dans le village, qu'a été construite la haute digue de la rive gauche, laquelle est décrite dans l'inventaire général du patrimoine de la France. Abriès est aussi protégé des crues du Guil par une très longue digue. D'autres crues, presque aussi graves que celles de 1728, se sont produites en 1948, 1957, 2000 et 2008. Enfin, ce qui caractérise l'histoire d'Abriès, plus que celle des autres villages du Kéra, est la dramatique décroissance de la population en un siècle et demi. De 1806 à 1962, cette population est passée de plus de 2000 habitants à 200. Autrement dit, Abriès a perdu 90% de sa population, alors que la dépopulation a été moindre dont les autres villages du Kéra, baisse de 50 à 60% pendant la même période. Ce sont surtout les hameaux d'altitude qui se sont vidés en un demi-siècle, de 1850 à 1900, de toute population permanente et ont été transformés un temps hameaux d'estive, puis laissés à l'abandon, autour d'Abriès, Malrif, Le Tirail, Villars, Le cros Patarel, le Petit-Varne, le Grand Varne et autour du Roux d'Abriès, qui a été le siège d'une paroisse indépendante. à partir du milieu du XVIIIe siècle, la la Montette, Praroubo, la levée. les Granges, val les Traverses et même le Roux, qui ne comptait plus que 8 habitants au début des années 1970. Briès est aussi le village du Quéra dont la population a le plus changé depuis 1970. Les anciens habitants, qui vivaient de l'élevage et un peu du tourisme, ont été remplacés par une nouvelle population, plutôt jeune. Venant de grandes régions industrielles en crise, et qui tire ses revenus presque uniquement du tourisme d'hiver ou d'été. Par un arrêté préfectoral du 19 octobre 2018, Abriès fusionne avec Ristola, pour former la commune nouvelle d'Abriès-Ristola, qui prend effet le 1er janvier 2019.